Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Sertisseur. Alors aujourd'hui, nous allons faire un peu de perçage. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc, il y a le pointage que vous voyez qui a été fait avec le compas. Ensuite, donc, on a une petite fraise pour donner ce marquage plus prononcé. Donc, puisque c'est un diamètre assez élevé, on n'attaque pas d'un coup avec le bon diamètre. Donc, on va par palier. Donc, il y a eu le pointage. Et là, nous sommes avec une fraise de 0,9 qui va nous permettre déjà de faire le marquage en général. Ensuite, on augmentera les diamètres qu'il faut pour arriver au diamètre qui est à 1,8. Voilà, donc à savoir, c'est un calcul qu'il faut être précis, parce que sinon, votre perçage sera pas droit. Donc vous avez eu en avant-goût le perçage de base. Donc ça, c'est la première chose qui a déjà été faite. On passe un coup de gomme vert, pardon, un coup de brosse. Excusez-moi, je mélange les mots. Donc ensuite, nous allons partir sur un diamètre plus élevé. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut attaquer directement 1,3. Voilà. Hop. Donc vous voyez, ça, c'est comme du beurre, ça va extrêmement vite. Hop. 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 C'est magnifique de voir toute cette poussière, ces copeaux qui partent dans tous les sens. Donc voilà. Donc voilà, après on a le prochain diamètre qui a été fait. Ensuite, nous allons attaquer la prochaine. Mais avant tout, je vous souhaite une agréable journée. Et n'hésitez pas à liker, passer un commentaire afin de poser des questions sur cette première petite étape. Et la suite sur le prochain numéro.